Bonjour. Enchantée, je suis Rin Taro. C'est un très grand honneur pour moi de pouvoir présenter mon court-métrage au Festival de Lumière. Alors j'ai entendu que le Festival Lumière c'est quand même avant tout le cinéma de prise de vue réelle. Donc majoritairement ce sont des films live qui sont projetés. Mais donc je suis d'autant plus heureux de pouvoir présenter un film d'animation. C'était à l'âge de 8 ans que j'ai découvert le cinéma pour la première fois dans ma vie avec un film russe qui s'appelle Fleur de pierre. Et depuis, la magie du cinéma me hante toujours. Et c'est vrai que je fais des films, je réalise des films d'animation, mais je pense toujours faire des œuvres cinématographiques. Et la base du cinéma, c'est le cinéma muet. Et donc j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup regardé les films muets. その日本の Et dans le cinéma muet japonais, il y a évidemment beaucoup de réalisateurs, mais il y a un réalisateur donc, qui était très jeune à l'époque, qui s'appelle Sadao Yamanaka, qui est un génie. Alors j'imagine que vous ne le connaissez pas, même au Japon, il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. Mais vous connaissez peut-être Yasujirō Ozu, en fait ils étaient très amis. この2人が日本がちょうど戦争の時で中国に行って彼は28歳で命を落としました。 Et quand ils étaient jeunes, tous les deux, le Japon était en pleine guerre, donc ils ont été tous les deux envoyés à la guerre. Et malheureusement, Yamanaka est mort sur le front en Chine à l'âge de 28 ans. しかも映画が3本しか残ってません。 Et en plus, aujourd'hui, on ne peut voir que trois de ces films parce que les autres sont perdus. Et donc après mon court-métrage, vous allez découvrir un de ces trois longs-métrages de Sadao Yamanaka qui s'appelle Le pot de 1 million de livres.非常にこうアウトサイダーな当時のヒーローだったんです。そのヒーローの映画を山中貞夫は全く違ったスタイルで当時作った。それが小津安二郎スタイルの非常に日常生活というのをレベルにおいてヒーローをアンチヒーローにしたした大変な作品で、原作者は激怒したという曰く付きの映画です。 Le titre japonais s'appelle de ce film s'appelle Tange Sazen. Alors Tange Sazen est le nom de personnage principal du film, qui est un héros qui est bien connu au Japon, donc un héros littéraire qui est connu. Et Yamanaka a adapté l'histoire de ce héros à sa façon. Alors que c'est un héros, Yamanaka a décrit comme un homme tout à fait normal, un peu comme Ozu qui a décrit la vie quotidienne de peuple. Et donc, comme il a montré cette image anti-héros, l'auteur de l'œuvre originale, donc l'auteur du roman original, s'est mis même en colère. この山中貞夫だけはきちんとこれの才能を認めたという人です。そしてこの山中貞夫に対する僕らはその
オマージュ、それを作りたいということで、僕も見ていただくのはネズミ小僧二郎吉です。でこれは山中貞夫への僕らの恋文だと思って見ていただければありがたいです。Alors que Yamanaka est mal connu, mais c'est vraiment un génie. Même Akira Kurosawa avait beaucoup de considération pour ce cinéaste. Et donc moi-même, j'ai un grand respect pour lui et j'ai voulu rendre hommage à Yamanaka. Et c'est pour ça que j'ai réalisé ce court-métrage Nezumi Kozo Jirokichi. Et pour moi, c'est vraiment une lettre d'amour que je lui adresse.現代はどんどん非常にデジタルでいろんな 3D ができてゲームができていろんな形の映像ができていますけど、基本はやっぱりサイレント、これはアルフレッド・ヒッチコックが唯一言った言葉ですけど、サイレント映画こそ映画の宝なんだと、僕はこの一言でずっと映画を追いかけてきて、この山中貞夫へたどり着いたと。Aujourd'hui, il y a eu, donc on a connu les progrès techniques. Donc nous utilisons le numérique, des images de synthèse, et on utilise même des images des jeux vidéo. Mais vraiment, la base du cinéma, c'est le cinéma muet. Et je suis tout à fait d'accord avec Hitchcock qui dit qu'on trouve déjà tout dans le cinéma muet. Et donc vraiment avec cet esprit-là que j'ai voulu rendre hommage à ce Yamanaka, un grand réalisateur de cinéma muet. J'espère que vous allez apprécier le film. Merci beaucoup.